Bonjour à tous, bienvenue sur Mon Blanc Santé. Aujourd'hui, on va parler réglage alimentaire. Alors, dans un réglage alimentaire, il y a trois paliers qui sont, à mon sens, fondamentaux. L'alimentation, bien sûr, l'aspect psychologique des choses aussi, et l'activité physique, bien entendu. Donc, on va commencer par l'alimentation. Alors, l'alimentation, il faut savoir qu'il vous faut au quotidien des glucides, des lipides, des protéines, des vitamines, minéraux, des fibres et de l'eau. C'est vraiment le carburant nécessaire pour que votre organisme ne souffre pas. Ensuite, on va parler des tempéraments. C'est une chose qu'on n'entend pas trop parler, mais qui est à mon sens fondamentale dans la perte de poids et même pour le bien-être de manière générale. Alors, Hippocrate, donc vous voyez, ça remonte à il y a bien longtemps, a défini quatre tempéraments, donc les bilieux, les lymphatiques, les sanguins et les nerveux. À partir de ça, vous avez pour chaque tempérament des caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement biologique qui leur est propre, donc une alimentation qui leur est propre. C'est à vous de définir avec votre thérapeute le tempérament qui vous est approprié, afin de cibler au mieux votre alimentation. Parce que si vous ne ciblez pas votre alimentation, qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez de développer, à long terme bien sûr, des pathologies, des troubles d'ordre métabolique. Vous pourrez également développer une forme anxiogène. Donc il est important de vraiment cibler ce tempérament. Je ne vais pas le développer là, parce que ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop complexe. C'est pourquoi, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur mon site. Toutes les informations sont en barre d'infos. Donc, si ça vous intéresse, vraiment, allez sur mon site afin qu'on puisse définir ensemble eh bien, votre tempérament et donc votre réglage alimentaire. Maintenant, passons à l'aspect psychologique, qui est à mon sens fondamental. La perte de poids dans notre société est considérée comme quelque chose de plutôt négatif. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système de restriction. Or, c'est pas du tout le cas. À mon sens, non. Il ne faut surtout pas se restreindre dans l'alimentation. Par contre, il faut cibler quel type d'aliments il vous faut. Mais il faut, pour cela, être apaisé, relaxé, être enthousiaste, heureux. Ça va vraiment vous aider. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène de stress anxiogène. Et ces fameux stress et ce fameux anxiogène, si on peut appeler effet anxiogène, va vous faire gonfler. C'est comme ça. Je ne vais pas rentrer dans la biologie, mais en clair, vous allez prendre du poids. Et ça, c'est pas bon si on veut perdre du poids. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment appréhender la chose comme quelque chose de positif, un renouveau. Quelque chose qui va vous permettre de rencontrer aussi d'autres personnes. Vous allez aussi découvrir d'autres horizons culinaires. Je pense aux épices. Je pense aussi peut-être à remplacer certaines protéines par d'autres. Plein de choses comme ça qui vont vous permettre aussi de découvrir d'autres personnes. Peut-être aussi vous retrouver vous-même. Voilà, c'est tout un cheminement qu'il faut avoir. Si vous êtes dans une période où malheureusement ça ne va pas pour vous, parce que bien sûr on a des phases dans la vie où ça ne va pas bien, attendez que cette phase disparaisse ou en tout cas s'atténue afin de repartir sur de bonnes bases. J'aime bien prendre l'exemple de la mise à jour d'un ordinateur parce que c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'à un moment il faut faire une mise à jour. Et bien votre perte de poids c'est un peu ça, c'est votre mise à jour. Que ce soit sur l'aspect psychologique, sur l'aspect alimentation ou sur l'aspect activité physique. Donc essayez vraiment de vous mettre en bonne condition. Je sais que des fois c'est un peu compliqué, mais essayez vraiment de rechercher une période propice à ça. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous êtes quelqu'un voilà, d'un tempérament nerveux, anxieux, bilieux, je vous invite, et même pour les autres, à faire ce qu'on appelle la méditation, la relaxation, du yoga, également des massages si vous avez la possibilité. C'est des moments qui vont être pour vous, qui vont vous apaiser, qui vont vous relaxer, qui vont vous apporter vraiment une confiance en vous, un bonheur en fait. Et du coup, cette mécanique va se mettre en route et ce sera beaucoup plus facile. Plus vous en ferez et plus cette mécanique va s'installer et du coup, vous en tirerez le plus de bénéfices possible. C'est un peu le but. Ensuite, on va parler de l'activité physique. Parce que oui, l'activité physique est importante, que ce soit pour éliminer des toxines, pour vous muscler, pour vous affiner. Oui, c'est indispensable. Cependant, il faut faire attention à quel type d'activité physique on fait.
Parce que si vous êtes en surpoids ou en embonpoint assez important, je vous recommande d'éviter de courir pour la simple et bonne raison que vos articulations vont s'abîmer pardon, précocement parce que vous avez un surpoids, donc un poids important, et vos articulations doivent supporter ce poids et risquent à long terme de s'abîmer plus rapidement. Donc je vous invite vraiment à soit ce qu'on appelle faire des sports portés, donc ça va être tout ce qui va être dans l'eau, natation, aquabike, aquagym. Ensuite il y a les bâtons de randonnée fonctionnent très bien, les vélos également. Ce qu'on appelle aussi la marche nordique. Ce sont des sports qui sont tout à fait accessibles pour vous et qui vont doucement vous mettre un peu dans le rythme. Ensuite, acceptez le fait qu'aujourd'hui, vous ne faites pas de sport. Ce n'est pas grave. Tant que vous en faites régulièrement, on dit 2, 3, 4 fois par semaine suffit amplement. C'est déjà beaucoup. Mais même une demi-heure suffit largement. Vous n'êtes pas obligé de faire 3 heures ou 2 heures ou 4 heures, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut que ce soit régulier et que ça se fasse de manière spontanée. C'est-à-dire qu'il ne vous faut pas genre une heure et demie de motivation pour pouvoir aller faire ça. C'est sortir son chien dehors, c'est déjà une forme de sport. Donc ne culpabilisez pas si vous ne faites pas une heure et demie de sport en salle. Ce n'est pas grave du tout. Voilà, ensuite, même pour les personnes qui sont... pas friand des sports à la mode, je pense principalement à la course à pied ou au fitness, parce qu'on n'est pas tous aptes à faire ça, on n'a pas tous envie de faire ça. C'est pourquoi je vous invite aussi à découvrir d'autres types de sports. Tous les sports du monde sont bien pour votre santé, car elle vous permet de bouger, de vous oxygéner, de vous vider la tête. On a un corps qui est fait d'articulations qui sont mobiles, donc autant les utiliser, on n'est pas fait pour rester assis et figé pendant 8 heures devant un écran de télé, d'ordinateur, de bureau. Hein. Donc n'hésitez pas à bouger, c'est indispensable. Et pour conclure, ce qui est à mon sens fondamental dans la perte de poids, c'est vraiment ce côté apaisé, prendre ça avec bienveillance et être surtout, à mon sens, très tolérant envers soi-même. Parce que je sais qu'on est dans une société où malheureusement on veut que tout aille vite, régulièrement. La perte de poids doit être importante en très peu de temps. Non, la perte de poids se fait vraiment sur le long terme. Donc paniquez pas si vous ne perdez que 200 grammes ou 500 grammes. Ce n'est pas grave, c'est déjà un bon début. Et notez-le parce que tous les jours, vous regardez ce petit 500 grammes et vous dites « Oh, c'est super et je peux encore continuer. » Et à force, vous allez perdre du poids. Mais il faut vraiment respecter ces paliers, donc une bonne alimentation, un état d'esprit relax et une activité relativement régulière, sans d'excès, hein, c'est pas important, c'est pas grave si vous ne faites pas 3 heures de sport ou d'abdos, ce n'est pas grave, bien au contraire. Donc voilà, voyez ça avec bienveillance, bonheur et un renouveau dans votre vie, c'est ça le plus important. Si cette vidéo vous a plu, ce que j'espère profondément, que vous avez envie de découvrir un peu votre tempérament, peut-être de discuter de certains points. Peut-être que vous êtes atteint d'une pathologie, vous voulez qu'on essaye de travailler ça. Je vous invite à aller sur mon site internet. J'ai écrit un article sur mon blog, pardon. Je vous invite à aller le voir. Je vous souhaite une belle, bonne et agréable journée et je vous dis à très bientôt sur Mon Blanc Santé. Au revoir.